Le président Ali Bongo s'était clairement prononcé contre la constitution des groupes d'autodéfense dans les quartiers de Libreville et de ses environs au regard de l'insécurité qui gangrène ses têtes au cours de l'émission Face à la Nation. Nous revenons sur ses propos. Très important quand même, des groupes d'autodéfense se créent dans certains quartiers. Qu'en pensez-vous? Très rapidement. Je pense que... Les groupes de jeunes. Nous avons des forces de défense et de sécurité dont c'est le métier de combattre la criminalité. Et c'est bien parce que dans les quartiers, on a le sentiment que les forces sont absentes, que se créent des groupes de défense. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Parce qu'encore une fois, nul n'est censé donc faire justice. Mais je terminerai par là aussi, une adresse aux forces de défense et de sécurité. Il faut gagner la confiance de la population. Donc, vous ne pouvez pas être proche des populations, souhaiter l'être et en même temps les racketter. D'accord. Voilà. Donc, un message pour les forces de défense et de sécurité, pour les commandants en chef, il faut arrêter le racket le plus rapidement possible et je leur donne quelques mois pour le faire.